à ce moment, et on s'est dit que le frein s'était cassé, la barre de direction. Et c'est à ce moment que nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agissait pas de cela, sinon de tremblement de terre. Parce qu'on voyait presque la masse de la montagne, parce qu'on était près d'une montagne qui venait sur nous presque. Nous sommes capables de dire que puis pour organisation qui a un gros gros moyen dans le monde après le tremblement de terre, malheureusement, ils n'ont pas travaillé avec les acteurs haïtiens. Nous comprenons que la question de l'urgence, c'était difficile. Mais après l'urgence, toute possibilité était là, mais ils n'ont pas travaillé avec eux. Vous nous dites comment la situation pour nous. Monsieur, pas de aucune autorité qui garde nous sur le camp autant humain. C'est vraiment que nous vivons avec intelligence, nous, avec maï, nous, avec sagesse. Ok? Vous comprenez? Ça, je suis capable de dire, c'est que déplacement, c'est des déplacements déguisés. Ça veut dire qu'effectivement, et ni communauté internationale là, ni gouvernement haïtien et gouvernement actuel gouvernement et la Matéli la Motte là, yo te vle retirer moun yo et en battant yo, mais moun yo yo allé et dans bidonville à l'augmenter question et bidonville yo, ça veut dire que problème là et pas résoudre ces mêmes situations. Laissez le bad. Nous sommes là pour nous battre. Il fait mobilisation pour que nous connaissions qu'il y a une clinique. J'en ai en pile et moi je suis sûr qu'il y a une clinique mobile qui fait chaque semaine. Nous sommes capables vraiment d'entendre nous. Nous ne sommes pas obligés de tant dicter blanc, parce que les blancs ont venu. Et pas venir dans l'intérêt, pas nous avons une clinique à faire. Pas. Il faut travailler sur la mentalité. Il faut nous changer l'idée pour nous voir comment nous-mêmes haïtiens nous sommes capables de décider nous en main. Las mujeres antes no venían a los talleres porque su marido no la dejaban, porque ellas tenían que hacer todo. Ahora las mujeres ya tienen su autoestima un poco alta. Le dicen a los maridos, bueno, hay un taller y yo voy al taller, tú te quedas con los hijos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les vieux réflexes de la société haïtienne ont repris le dessus, particulièrement des élites. Et le réflexe de la communauté internationale. Donc on est revenu au statut ante. Et peut-être avec une aggravation, puisqu'il y en a plus, il y a plus d'argent qui se mêle. Voilà.